qualité, une vidéo projection de qualité. Donc on présente plusieurs modèles d'écran, mais surtout le principe de nos toiles à contrôle de lumière. Donc je vais vous passer un petit extrait qui va vous donner une idée de ce que est la problématique en pièce de vie d'une projection. Donc, en pièce de vie, là on est sur une toile Daylight référence 1.1. Donc c'est une toile à contrôle de lumière sur laquelle on arrive à avoir ce niveau de contraste là. Lorsque vous êtes dans une pièce blanche, souvent soit on projette sur un mur, soit sur une toile blanche. Là on a une toile blanche de référence que l'on installe dans les studios. Donc c'est une toile qui est d'excellente qualité. Vous voyez, toute la pièce s'éclaire et on a un problème de contraste. L'image est complètement délavée. Le niveau de noir maximal que je peux obtenir, c'est celui-ci, parce qu'il est limité non pas par le projecteur, c'est un très bon projecteur, c'est le dernier 360 de chez Sony. Mais la pièce est irradiée de lumière et cette lumière vient refrapper de nouveau l'écran, délave les couleurs et annule le contraste. Dès lors que on installe une toile à contrôle de lumière, on arrive à avoir un contraste très saisissant. Des couleurs qui redeviennent vives, de la profondeur de champ et de la netteté qui reviennent. Donc on arrive à exploiter le plein potentiel du projecteur. Nos toiles se déclinent sur plusieurs châssis, soit des cadres zéro frame comme celui-ci, des cadres velours plus classiques, des écrans motorisés encastrables dans le faux plafond ou en ceiling. On a une multitude de variations possibles entre les différents types de commandes et différents types de cartels. On arrive à répondre à toutes les demandes du client. 95% de ce que l'on fournit au client est fait sur mesure sans surcoût. C'est notre quotidien de faire des écrans sur mesure aux dimensions que l'on souhaite pour maximiser vraiment le contraste et le résultat chez le client. Passer un petit extrait de film aussi. Donc vous voyez, ce système, c'est le système Ultra Black Contour. Il sert à quelque chose, dans le sens où vous voyez les bandes cinémascope que vous avez là sont grises, déjà bien foncées, mais là elles deviennent encore plus noires avec le système de rétroéclairage. Donc on arrive à avoir un noir encore accentué parce qu'on joue sur le phénomène de contre-jour, avec l'iris de votre œil. Vous voyez, au bout de 2 secondes, votre iris travaille et se rouvre un petit peu. Du coup, on voit un niveau de noir qui est un peu moins bon. Là, on joue sur le phénomène de contre-jour et on arrive à améliorer encore le noir perçu. Votre œil va moins pomper aussi entre des scènes claires et des scènes foncées. Du coup, vous aurez une fatigue visuelle moins importante. Si on redescend la toile blanche, on se rend bien compte que on retrouve toute la problématique. J'éteins le rétroéclairage par derrière. On retrouve toute la problématique d'une projection, aussi bon soit le projecteur. On retrouve la problématique d'une pièce de vie, avec une image complètement délavée. Le pire, c'est que quand on a une toile blanche, on a souvent une bordure noire autour, et il faut bien qu'on la choisisse, souvent en 16/9 ou en 2/35. Donc on la choisit 16/9 parce que les programmes télé, sport, etc., les reportages sont en 16/9, et quand on regarde un film, on a les bandes cinémascope. Et ces bandes cinémascope sont gris, sont grises, et les grises complètement délavées. Du coup, on a plus du tout ce problème-là avec nos toiles à contrôle de lumière. Voilà. Il y a 12 couches de coating, c'est une toile de haute technologie qui est complexe à fabriquer. Chaque couche va absorber la lumière dans les angles incidents. Donc on évite la réflexion de lumière et d'un autre côté, il y a une autre couche qui absorbe le peu de résidu qu'il y a. On arrive à absorber 98% de lumière résiduelle dans une pièce toute blanche. Voilà.
Don't want no wars or fancy things. Do you know where it is? Tell me. Maybe there's a place for people like you and me. Don't want no wars or fancy things. Yes.
baby, my